Faut qu'on s'occupe de vos 6-6 à tous là aussi là. Ouais. Ah oui, aussi, il y avait. C'est toi qui as les. Des zips chez toi? Ouais, j'en ai plein. Ouais, et bah il faut que t'en mettes dans les appartements, dans les caravanes, parce que l'autre jour on était en galère, on avait pas de zip. Pas dans l'eau! Oh non. Oh non, non, non! Ah, c'est une Glendale, ok. Mais Piga, le fugitif, ça va être compliqué là. Ah, mais il y a un parc. Oh! Ils sont pites entre eux! Ah bah, j'ai regardé les rétroviseurs en même temps. Aïe aïe aïe. J'étais surpris parce que j'ai vu la voiture se faire bite et je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui s'était fait pite, ça aurait pu. Un mec de chez nous. Et non, c'était les deux. Moi, je m'arrête pas. Connor et Aiden normalement. Ah oui, James aussi. Après, il y a peut-être qui restent dormir en cellule pour ce soir. Ouais, c'est... ou sinon ils étaient tous les quatre dans la salle de bain, puis ils ont glissé sur le savon. C'est ça. C'est Jimmy qui leur a glissé dessus. Je te jure que si tu la répètes, c'est le Sir Ryan. J'y ai brûlé ta caravane avec toi dedans pendant qu'il dort. Et là, Jimmy il glisse sur le savon et BAM, il roule sur les droits. Tu commences à avoir une image. C'est ici chez toi, hein? Oui. Tu vois. Elle est limite où? Elle est bonne nuit, Raya. Excusez-moi, monsieur. Je peux vous poser une question? Dites-moi. Vous ressemblez à une personne un peu connue. Je viens de France et vous ressemblez un peu à Fabien Barthez. Je peux faire un bisou sur le crâne ou c'est pas possible? Non, merci, non. Ok. Vous avez quel âge pour connaître monsieur Barthez? 19 ans, mais je connais parce que j'habite en France et du coup je connais. C'est un peu un jeu.